Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 72 de 16 juin. Et on va jouer aujourd'hui à Bang Bang Racing. Bang Bang Racing qui est un petit jeu de course que j'ai trouvé assez fun. Il est en anglais, mais vous allez voir, il est bien fait. Et il est assez, j'ai envie de dire, marrant dans sa jouabilité. C'est plutôt sympa. Donc vous voyez, on a des statistiques au niveau du joueur. Comme un petit jeu de course tranquille. On va jouer en mode carrière. Et on va commencer une carrière. Donc première, vous voyez, il y a plusieurs courses. On va regarder la première. On va prendre la voiture. Bah, on peut prendre que la première, du coup. Et donc c'est parti. On va jouer tout de suite. Il n'y a même pas d'histoire. C'est un jeu tout ce qu'il y a de plus simple. Donc Chaluk Sands. Ils nous disent la distance, le nombre de tours qu'il faut faire. Allez. C'est parti, vous voyez un peu, donc les graphismes sont pas tellement poussés, c'est vraiment un petit jeu pour s'amuser. Alors c'est un peu la merde. Au niveau de la direction, faut s'y habituer, au bout d'un moment vous y arrivez à y arriver. Donc, vous voyez, on a des petits boosters qui sont représentés en bleu en haut à gauche. Donc en bleu c'est le booster qui monte tout seul d'ailleurs. Et qui va nous servir à donner des petits poussées à la voiture de temps en temps. Et c'est ce que font les autres à chaque sortie de virage, ils font un petit coup de booster pour aller plus vite, évidemment. Donc on est 8 dans la course, vous le voyez en haut à droite. On en est au premier tour en haut au milieu. Et là je me suis scratché et je vais me faire doubler. Et donc voilà, c'est ce qui est bien, c'est donner des petits coups de speed. Donc il y a la zone de réparation, vous avez vu, quand on a fini un tour, on peut passer par là. Et juste à passer, ça nous... je sais pas si ça nous ralentit, mais en tout cas ça répare un peu la voiture, puisque la voiture prend des dégâts. Vous le voyez, ça doit être ce qui est en haut à droite, hein, en haut à gauche. Ça doit être la petite barre de vie, là, ça doit être la voiture. Je pense. Parce que c'est vert et ça part vers le rouge. Je sais pas. Donc oui, sinon le temps, le temps vous l'aviez déjà vu, et j'ai pas vraiment besoin de l'expliquer. Alors on est déjà au deuxième tour, c'est assez rapide, tout en étant assez bruyant. Alors c'est un truc que je pourrais reprocher au jeu, c'est de faire beaucoup de bruit. Là j'ai baissé à fond le bruit sur la vidéo parce que c'est assourdissant. Tout le temps vous l'entendez là, c'est horrible. Et là c'est vraiment baissé beaucoup. C'est pour vous dire à quel point c'était pas top. Alors c'était fort quoi. Donc on va arriver à l'arrivée. Ça veut rien dire, mais on va arriver à l'arrivée. Vous avez vu qu'il y avait des petits pièges là, des petits tonneaux d'huile ou des trucs comme ça que vous pouvez bousculer. Il y en a qui vous enflamment aussi. J'ai pas été enflammé encore, mais ça a pu arriver. Alors, voilà, l'arrivée, elle arrive presque. Donc, vous voyez, on a déposé du sable sur la route. C'est resté. Voilà, ligne d'arrivée avec les feux d'artifice. Race over. Mon record personnel. Best, voilà, je suis premier. Super. On va faire next course. J'ai débloqué la voiture Bullet. Je sais pas ce que c'est. C'est une autre voiture, tout simplement. Donc, on va faire la deuxième course. On a réussi la première. Et on va faire la deuxième. Et on va changer de voiture, on va prendre celle qu'on vient de débloquer, c'est-à-dire la Bullet. Voilà, le petit message, le chargement. Très rapide, hein, mais il n'y a pas tellement de choses à charger. Hop là. Où c'est qu'ils sont les concurrents? Il n'y a pas de concurrents? Faut que je fasse 5 tours. Vous êtes sérieux là? Est-ce qu'ils sont sérieux les gens? 5 tours de la piste que je viens de faire en plus. Et bien la vidéo va être longue, va être très longue. On va faire celle-là. Cette course me semble pas bien finie. Oui, alors oui, d'accord. Donc regardez en haut à droite, il y a des temps. C'est les temps autour à battre. Donc 27, 28. Donc là j'ai fait 30-14. Donc j'aurai en gros la médaille d'argent. Oui, voilà. Là pour la oui, la médaille d'argent, vous voyez, elle fait un petit clignotement, elle grossit, elle rétrécit. Donc en gros, il faudrait que je fasse un meilleur tour. Et ben, on va essayer de faire de gagner l'or. C'est pas gagné, on va essayer. Hop là, 28-36, c'est pas encore ça, toujours en argent, pour faire mieux. On a 5 tours pour faire mieux. Bon, c'est un style de course assez spécial, hein. Moi j'aime mieux quand il y a des concurrents quand même. Parce que c'est vrai que là on pourrait vite s'emmerder. Donc là ouais, 20 secondes, ouais, oula.
Ça va être limite pour passer la ligne d'arrivée, ça. Alors, il me reste un tour, non, deux tours. Il me reste deux tours pour faire mieux, pour arriver à décrocher cette petite étoile d'or. Allez, allez. Donc à force de faire le circuit, bah vous le connaissez, surtout qu'on vient de le faire, c'est exactement le même. Enfin, il me semble, pour pas dire de conneries, on vient de le faire, oui. Ah non, c'était pas lui. Eh non, mais j'ai dit des conneries, c'était pas lui. Parce qu'il y avait du sable avant le dernier virage, là. Et là, il n'y a pas de sable, en fait. Non, mais il se ressemble un peu, alors. Alors. J'ai battu le record ou pas? Non, j'ai pas fait attention. 29. Allez, allez, allez. 8, 27, 27, 29. Et ça y est, j'ai battu. Ça y est. Voilà, étoile d'or. Sur le dernier tour. Moi, j'ai eu chaud parce que c'est pas, ça tient pas à grand chose. Voilà, j'ai gagné pas le Palmkos. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la course. Donc, on va faire celle-ci aussi. Allez, on va faire la suivante. Euro. Allez, on a débloqué une nouvelle voiture. Et donc on va la faire. 3 tours à faire, 600 à quelques mètres. Et attention, c'est parti. Donc eux, ils mettent tous le turbo à fond aussi. Bon, bah... Ah, vous voyez, là, c'était l'huile dont je vous parlais. Ils sont arrivés trop vite, ils sont tout pris. Moi aussi, j'ai tapé un tonneau qui vient d'exploser. Hop, non, je tape dedans. Et il a dû exploser derrière. Alors. Alors, je sais pas si les voitures sont mieux les unes des autres. Elle a pas forcément l'air d'aller beaucoup plus vite que l'autre. Et l'autre, il me rattrape là. Oulala, attention, qu'est-ce qu'il veut lui? Il me colle derrière. Allez, on tourne sec. Ah non, non, la trace d'huile de. Je sais pas quoi. Il fait glisser à mort la bagnole. Ah, ils m'ont bien rattrapé, hein. On va quand même essayer de garder la tête haute et de passer. On se fraye un petit chemin. Allez. Faut prendre très serré. Hein. Si vous prenez large, c'est mort. C'est le truc, vous prenez les plus petits virages possibles. Ah non, j'ai explosé un tonneau de je sais pas quoi là. Allez, plus qu'un tour. On va essayer de. Ils sont devant moi. C'est chaud, non. Allez, je suis repassé devant. On touche du bois. Hop. Alors lui il a mis le turbo derrière mais sur un virage je vois pas trop l'utilité. On va essayer de réserver le nôtre pour la ligne d'arrivée. Allez, on en profite, il y a un peu de la ligne droite. Hop là. Non, reviens pas. Allez vas-y, je bouge. Ah là, ça c'est fait. Et donc voilà, j'ai encore gagné. Alors, j'ai gagné ça, Fine Elimination et le chef. Je sais pas quoi ce que c'est. Alors, bah, il nous en reste une dernière, une élimination. Et ben, on va la faire aussi. Ce sera la dernière qu'on fera, je pense. Parce que là, ça, c'est des courses qui sont assez rapides. Donc voilà, on a le temps de faire les 4. Alors, course d'élimination, c'est... En gros, va pas falloir rester trop derrière. Parce que j'ai compris. Les chronos vont se mettre en route. Attends. Là, du coup, on a les tours infinis. C'est jusqu'à la fin du temps. Donc, normalement, on a un tour. Si je me souviens bien, on a un tour de chauffe, on va dire. Dès qu'on va passer la ligne, il y a un chrono qui va se mettre en route. Et qui va éliminer celui qui est en dernière position. Ah, j'ai bloqué. Et je sais plus combien de secondes, ça va éliminer. Attention, élimination de starting. Dans 7 secondes, le dernier est éliminé. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Donc il y en a un qui a été éliminé, c'était le dernier. 7, 6. Donc là, c'est même pas la ligne d'arrivée, là, faut rester premier à mort. Au début encore ça va, mais plus le temps va passer, et moins on sera.
Donc, le Eliminated, donc ça commence à se resserrer un petit peu. Allez, encore un qui va se faire éliminer, donc ça va vite, on était que 8, 9. Là on est plus que 5, on est plus que 4, attention. Ça va être tendu avec celui-là, regardez lui, il a une cible autour de lui. Il y a une cible, ça veut dire que c'est lui qui est visé. Donc là maintenant c'est le troisième qui est visé. Oula, c'est moi. Attention. Là, je viens de faire une vieille farce à mon collègue, il est bien passé. Oula, là je suis deuxième, c'est pas bon. Il faut que je passe devant l'autre. J'ai pas le choix. Vite. Oui, j'ai pris serré, voilà. J'ai pris mon virage serré, je prends là et c'est bon. J'ai gagné. Et ça, c'est fait. Et donc voilà. Donc congratulations. Session best. Donc normalement j'ai gagné le truc là, c'est bon, ce sera tout. Donc voilà, on a débloqué encore deux trucs. On n'ira pas plus loin pour Bang Bang Racing. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.